Une vie de famille heureuse, tout le monde en rêve. Mais ce n'est pas si facile. Les liens familiaux ont beau être forts, ça ne fait pas tout. Tous les ans en France, près de 150 000 enfants sont placés hors de leur foyer. Une situation dramatique que Pascal Sautens a décidé de combattre au quotidien. Stop. Depuis plus de 20 ans, cet éducateur vient en aide à des adolescents en difficulté et à leur famille. Pour lui, c'est plus qu'un métier, c'est une véritable vocation. Les familles mises en danger, je sais ce que c'est. J'ai grandi ici, dans l'une des cités les plus sensibles de France. J'ai vu des jeunes de mon quartier mal tourner et faire sombrer leur propre famille. Trop de souffrance, de violence, de désespoir et de vivre. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me mettes la misère comme ça? Montre-le-moi, moi. Montre-le-moi que t'es ma mère et que tu m'aimes. Pas de quoi impressionner Pascal, à qui l'affrontement ne fait pas peur. Vu qu'on se cogne, on va se cogner, hein. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme, je vais rien lâcher, je vais vous bouffer, moi, tous les deux. Hein. Les arts martiaux lui ont appris la discipline, le self-control et le respect. Autant de valeurs qu'il met au service de sa mission et qu'il veut transmettre aux familles. Je veux que t'arrêtes de baisser les bras, bats-toi. Je vais t'aider, je te dis, lâche pas, n'abandonne pas. Déterminé à remplir sa mission, Pascal n'a qu'un seul but, venir en aide aux familles en détresse. Bonjour à tous, je suis en Moselle. Aujourd'hui, je vais rencontrer Kevin. Pour la première fois, c'est un ado qui fait appel à moi pour résoudre le problème de ses parents. Sa mère a la réputation d'être volage. Cette situation fragilise le couple de ses parents et le rend, lui, ingérable avec sa mère. Révolté contre sa mère, qui détruit l'image de leur famille, Kevin se rebelle face à elle à longueur de journée. Tu dis que tu vas arranger les choses. Eh ben, alors, dis-moi. Oh. Mais non. Bouge. Non, non, moi, ça me fait pareil. Casse-toi, je t'ai dit, gros. Non, non. Bouge. Non, réponds-moi. Casse-toi. Oh, Kevin, arrête. Non, attends, j'essaie de discuter avec lui, il veut rien savoir. Vas-y, laisse la feuille. Vas-y, bah tu sais quoi, tu vas me le refaire. Non, je te la ferai pas. Oh, je suis pas ton chien, tu la ramasses. Vas-y, réponds-moi. Marié depuis 20 ans et parent de 5 enfants, aujourd'hui ce couple est en déclin total, car Nathalie n'assume plus son rôle de mère de famille. J'ai envie de sortir. Tu sors. Et quand j'étais jeune, j'ai pas profité de la vie, on n'est pas sortis, on n'a pas fait beaucoup de choses, on a fait des gostos. Et là, je veux profiter. J'ai envie d'aller m'amuser. Il faut que t'arrêtes de draguer aussi. Ouh, je drague. Ouh, je drague. Tout de suite. Attends, tu parles pour l'autre? Non, y a pas que l'autre, arrête. Ouh, je drague. Vas-y, dis-moi. Non, mais vas-y. Moi, je te cache rien. Par contre, toi, tu me caches des choses. Quelles choses? Ah, ça, je sais pas. Je sais que tu me caches des choses. J'ai connu quelqu'un sur Facebook. Un jeune de 30 ans. Mais sans plus. Olivier, son mari, l'accuse de séduire d'autres hommes. Et même leurs proches la soupçonnent de lui être encore infidèle et irrespectueuse. Le problème, c'est qu'avec les mecs, vu les antécédents que tu as eu avec tes mecs, tu devrais comprendre pourquoi il est comme ça. Oui, parce qu'il a peur qu'il se passe quelque chose. Bah, excuse-moi, qu'il ait peur qu'il se passe quelque chose. Non, lui, pour lui, moi, je me mets à sa place, je pense qu'il y a quelque chose. Ouais. Moi, je pense que tu continues à le rendre cocu. Sur le principe, je pense que tu n'en as plus rien à foutre ta gueule. Ce que je remarque, et c'est juste avoir chalé. Voilà ce que je vois, moi. Tu quoi? C'est avoir chalé. Parce que de toute façon, quand il y a du fric, ça va. Vous non, attendez à quoi à peu près? Dès qu'il n'y a plus de fric, c'est là. Moi, ça, je l'ai déjà remarqué, hein, je te le dis. Hein. J'en ai rien à f***. Pour comprendre à quel moment de leur vie tout a basculé, je vous invite à prendre connaissance de leur histoire. Très jeune, Nathalie fait la connaissance d'Olivier, qui n'est autre que son voisin. J'ai rencontré Olivier, j'avais 16 ans. Je vivais chez mes parents. Puis moi, j'étais à l'armée, quand je rentrais que le week-end.
Et puis après, on se voyait tous les week-ends, quoi. Et puis c'est comme ça qu'on est tombé amoureux, quoi. Très tôt, ils emménagent ensemble et à l'âge de 19 ans, Nathalie donne naissance à Océane, leur premier enfant. Mais les deux jeunes sont encore un peu immatures. Et Nathalie se laisse aller à d'autres tentations. Oui, je l'ai trompé, j'avais 22 ans. Et lui, il pense que j'avais couché avec le mec. Et finalement, moi, je lui dis non, j'ai rien à me reprocher, je n'ai pas couché avec. Il y a eu quelques bisous, mais ça n'a pas été plus loin. Je ne l'ai pas accepté, c'est pour ça que j'étais séparée 2 ans, mais après, on s'est remis ensemble. Parce que j'étais amoureux d'elle, je me suis remis avec elle. Le couple se marie et donne naissance à 4 enfants, dont Kevin. Mais les années passent et Nathalie semble se lasser de son couple. Olivier, chauffeur-livreur de profession, est souvent absent pendant la semaine. Moi, je me réfugie au travail. C'est pour éviter de penser ce qui se passe à la maison, parce que quand je rentre à la maison, en fait, il n'y a rien qui va. Elle râle, je ne sais pas pourquoi elle râle, mais elle est tout le temps en train de râler. Pour combler ce manque, Nathalie se laisse prendre au jeu des sites de rencontres et souhaite vivre une seconde jeunesse. Moi, parce que j'ai envie de sortir, parce que j'ai pas profité de la vie. Au sein de ce couple, rien ne va plus. Et les nombreux non-dits affectent leur quotidien. Alors, qu'est-ce que t'as au fond du cœur ? Au fond du cœur, je vais te dire, moi je t'aime. Je tiens à toi. Tu le sais, mais toi, je sais pas si tu m'aimes. Si, moi je t'aime, mais c'est plus pareil. Il n'y a plus d'amour fou comme avant. Bah, Nathalie, je pense qu'elle me cache. Elle me cache quelque chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Kevin, très touché par ce climat pesant et en l'absence de son père, a pris la place de l'homme de la maison pour éduquer les plus jeunes. Il en vient même aux mains avec ses sœurs. Sors de là ! Allez, là ! Ça va, c'est là, là. Oui, je prends le rôle du père parce que ma mère, elle dit rien. Ils font des conneries, elle les engueule un tout petit peu et puis c'est fini. Il n'y a pas de punition, il n'y a rien. Pour aider cette famille, je me suis entouré des meilleurs spécialistes. Caroline Bonhomme, psychologue, elle aidera Nathalie à comprendre son attitude. Et Diane Vaz, comédienne, qui provoquera un électrochoc au sein du couple. Je ne suis plus qu'à quelques mètres de la maison où vivent Nathalie et sa famille. Ils ne savent pas que j'arrive, j'ai hâte de les surprendre. Tu veux que ça s'arrange comment ? Entre moi et ta mère. Ouais, tu veux que c'est qui t'arrange ? Surtout elle. Surtout elle, c'est qui elle ? Surtout elle, la façon, tiens, surtout elle, c'est qui celle-là ? Ouais, déjà, t'as aucun respect. Déjà, premièrement, t'as aucun respect, tu me prends vraiment pour de la... Kevin ne supporte pas la réputation de femme facile de sa mère dans le quartier. Et on lui prêterait même des histoires avec des gens du voisinage. Comment ça, j'ai aucun respect envers papa ? Bah oui, tu vas aller voir ailleurs. Tu veux que c'est du respect, ça ? Oui, je vais voir ailleurs. Le flic, c'est quoi ? Mais j'ai pas été voir ailleurs pour le flic. Oui, allez, tu nies encore, allez. Non, y a rien eu. Ouais. Tu crois quoi ? Que j'ai couché avec ? Tu vois, je sais pas, j'étais pas là pour voir. N'importe quoi, mais franchement, là, tu me vraiment tu me traites pour une... Ouais, t'allais pas faire ça, tu sais très bien que t'as des gosses, tu sais très bien que t'as un mari. Oui, je suis d'accord, mais y'a rien qui s'est passé du tout. De toute façon, j'ai rien à me reprocher du tout. Donc tu dis que je te traite de pute. Bah, quoique, je pourrais, parce que je sais même pas. Ah, t'as vu, ça blesse. Ah, je suis allé dans son coin. Mais non. Sors. Non, laisse-moi tranquille. Sors. Non. Sors. Non. Laisse-moi. Laisse-moi. Qu'est-ce que t'as ? Rien. Si, t'as quelque chose. Non, j'ai rien. Non, j'ai rien. Lâche-moi. Lâche-moi. C'est quoi, t'as blessé, Kevin ? Bonjour. Bonjour. Faut que je casse la porte pour rentrer ou comment ça se passe ? Ça fait 3 fois que je frappe. Vous attendez pas ou quoi ? Bonjour, Kevin. Comment vas-tu ? Ça va. Bien, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Il se passe rien ? Tout va bien ? Ta mère pleure, mais tout va bien. Bonjour, Nathalie. Olivier, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, c'est pas vrai. Bien. Pourquoi vous êtes dans cet état-là ? Bonjour, je suis Pascal. Donc vous allez vous calmer. Je sais pas pourquoi vous cassez des verres. Je sais pas ce qui vous arrive. Je viens vous aider, c'est comme ça que vous me recevez ? C'est comme ça que vous me recevez ? Attendez, c'est mon fils qui traite de pute ! Vous baissez d'un ton déjà ? Vous parlez pas comme ça ? Moi je suis pas votre fils. Donc vous baissez d'un ton immédiatement, d'accord ?
Donc soit on éclaircit les choses ensemble, soit votre fils continuera à penser ça de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez savoir pourquoi il pense ça de vous? Vous êtes clean? Non, parce qu'il parle du flic. Est-ce que vous êtes clean? Il est rentré, il m'a dit bonjour. Moi, j'ai pas dit bonjour. Je lui ai pas parlé. J'avais pas envie de lui parler. Bah, c'est ta mère, mais... Bah, je suis désolé, mais c'est l'impression qu'elle donne. T'as pas à dire ça non plus. T'as pas à dire ça, mais c'est ce qu'elle donne. T'as pas à dire ça. Bah, c'est ça qu'elle donne non, comme image. Pas à dire ça. C'est ça qu'elle donne comme image, je suis désolé. On peut discuter calmement ou vous avez besoin de vous rafraîchir un petit peu? Non, ça va. Très bien, alors venez. Sur le coup, j'étais surpris que c'est jamais reconnu, quoi. J'étais surpris que c'était lui. Et puis, sur le coup, j'étais content qu'il soit là, quoi. J'étais choqué. Parce que de le voir, je pensais pas le voir, quoi. J'ai été alerté du comportement de Nathalie par son fils Kevin, qui a fait appel à moi. Je vais donc volontairement la pousser à bout. Je veux dire, franchement, vos faut les assumer, hein. Mais j'ai pas fait de je suis désolée. Ah bon? Parce que j'ai vu des vidéos où vous dites clairement que votre mari est cocu. Il est pas cocu. Vous avez... Nathalie, soit vous me prenez pour un imbécile, soit je montre les vidéos à tout le monde, là. Donc il va falloir être très clair avec moi. Oui, je l'ai trompé, j'avais... 22 ans. Vous avez bien tenu un langage devant la caméra. Vous avez bien dit des choses. On vous a pas forcé, rassurez-moi. On vous a pas mis un couteau sous la gorge pour vous dire « dites ci, dites cela ». Oui ou non, rassurez-moi, ça vient de vous. Je vous montre la vidéo, vous voulez qu'on la regarde que tous les deux? Non, non. Vous savez de quoi je parle? Mmh. Merci. Combien de fois t'as fait ça, papa? Combien de fois? À Thionville, ici? À Thionville pour le... Pour un vigile, pour je sais pas pour quoi. Pour un vigile? Quand j'ai travaillé? Ouais. Que j'ai dit que je vais aller boire un coup avec... Ouais. Comme ça s'appelle, avec une copine, et que j'ai dit que finalement c'était avec... le Stéphane? Je sais pas comment ça s'appelle. Si, il s'appelle Stéphane. Moi ce qui me rend dingue, visiblement, il n'y a pas qu'un Stéphane, il n'y a pas qu'un Olivier, il n'y a pas qu'un Gérard. Je donne des prénoms qui ont strictement rien à voir. Mais je me dis, il y a beaucoup de personnes autour de vous, qui gravitent autour de vous, avec qui vous allez sortir en boîte, avec qui vous allez dans un pub. Ou si vous êtes dans un pub avec une copine, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous plaire, vous allez l'aborder. Parce que peut-être vous avez besoin de vous rassurer, peut-être que vous manquez de confiance en vous, tout simplement. Non, quand je vois par exemple quelqu'un ou quoi, je dis tiens, il est mignon, sans plus. Vous n'allez pas le voir? Non. Alors pourquoi vous êtes allé voir les autres? Comment ça, les autres? Je parle de Stéphane. Je parle du policier, ça fait deux. J'en parle. Le policier, c'est lui qui a cherché. C'est aussi à vous de calmer les gens quand ils... C'est lui qui passait plusieurs fois. Donc c'est lui qui passe, donc c'est vous dites... C'est lui qui passait. Ouais. Après, quand il a commencé à faire chaud, j'ai dit, ah, ben, finalement, vous ne mettez pas en maillot de bain? Il m'a dit non, non. Bah oui, bah, ça motive le truc, hein. Qu'est-ce qu'il pense, lui? Mettez-vous à sa place de Zoom. Et combien de fois il passait, il demandait à, par exemple, à ma... C'est juste un mec, hein. Oui, je suis désolé, les gars. C'est ce que je t'ai dit, c'est un mec. C'est un mec, hein. C'est un mec. Lui, il passe là, il voit une nana qui est mère de famille, qui bosse pas, qui est là à la maison, qui doit s'embêter toute la journée. Il passe... Je m'embêtais pas à la maison. Je sais pas, c'est un exemple que je donne. Il passe une fois, il vous dit bonjour, il passe deux fois, et là, vous lui dites, bon alors, vous mettez pas en maillot de bain. Bah, c'est une avance, vous faites des avances, quelque part. Si c'est à mon coco, j'aimerais bien te voir en slip, quoi. Je suis un mec, hein. Il y en a qui nous dit ça, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai compris là? Elle me fait de l'avance ou elle fait pas de l'avance? C'est encore un truc que je viens d'apprendre en plus. Je suis désolé, hein, Olivier. Non, mais tout à fait. Il y a des vérités qui m'ont éclaté, je vous le dis. Hein. Et imaginez, je viens à peine d'arriver. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre d'ici 4-5 jours? 4-5 jours? Ouais, ouais. Vous êtes là? Donc là, j'espère que vous allez dire à votre flic là que pendant 4-5 jours, il va pas vous voir. D'accord? Je m'en bats les couilles. C'est comme ça que vous me parlez? Je m'en bats les couilles. Je m'en Vous pète. Pensez que j'ai 12 ans, moi, vous me parlez comme ça? Je m'en pète. Pardon? Je m'en fous. Alors, je vais vous expliquer une chose. Je m'en fous. Votre langage, vous allez vite le changer avec moi. Vous êtes une adulte de 40 ans. Vous vous permettez de parler comme un ado qui a 15 ans, vous parlez encore plus mal que votre fils. Donc ne vous étonnez pas qu'ensuite votre propre fils vous insulte. On est d'accord? On est d'accord? Donc vos mots là, vous les gardez pour vos copines, vous les gardez pour vos flics, vous les gardez pour qui vous voulez, mais moi, vous me parlez pas comme ça. Donc je comprends pourquoi il y a des problèmes dans votre famille. Et je pense que le problème, il vient de vous déjà à la base. Et je vous le dis. Ok? Vous êtes une maman. C'est comme ça que vous parlez, vous, aux gens? Moi, je suis un inconnu. Imaginez l'image que vous me donnez de vous. Une maman de 40 ans qui parle comme ça, je m'en bats les couilles, je m'en bats la race, moi, c'est quoi, j'ai plus, je me casse. J'avais pas envie de lui parler. Qu'est-ce qui vient me prendre la tête, celui-là, qui me laisse tranquille? C'est vrai que j'avais la rage. Vous sortez beaucoup? Non. Vous êtes sûr?
Ne me mentez pas, Nathalie. Sortir beaucoup, je vais... Je vais vous balancer le dossier que j'ai sur vous, ne me mentez pas, je vous le dis. Hein. Ça va pas le faire entre vous et moi. Ça va pas le faire. Hein. Le soir, je sors. Ouais. Vous avez pas autre chose à faire. Ouais, votre copine, là, je crois que vous êtes avec une personne qui est un petit peu plus jeune que vous. Quel âge a-t-elle? 27 ans. 27 ans, vous en avez 40? Vous n'avez pas d'amis de votre âge, je sais pas? Vous préférez sortir avec des petites jeunes? Bah, c'est pour traîner avec une personne qui a rendu cocu son mari. C'est ce que vous avez fait, excusez-moi. Non, j'ai pas rendu cocu. Ah bon? Pour moi, c'est pas cocu. Donc vous m'avez menti. Je suis désolée, j'ai pas couché avec. Non, mais je parle pas de ce monsieur, je parle d'avant. On va faire un petit bond dans le passé. Ah, le Eric. Voilà, merci. Vous êtes sur des réseaux sociaux, oui ou non? Il n'y a pas de discussion que vous faites avec les gens? Si, avec des copains. Ah, d'accord. Ils sont courants? Bah, je lui ai dit que je parlais avec un copain. Ouais? Un seul ou plusieurs? Bah, plusieurs. Merci. Donc ne me mentez pas, Nathalie, soyez claire avec moi dès le départ. Parce qu'on va pas s'entendre, je pense. Ça commence bien. C'est clair. Nathalie était très méchante envers Pascal. On dirait, ouais, qu'elle l'aimait pas du tout, ouais, il a été agressif. Depuis tout à l'heure, je suis que sur vous. Hein. Alors que sur lui, j'en ai des choses à dire aussi. Oui, entre les insultes à ta mère, les tags, je la pousse, etc., etc. Je pense que toi aussi, t'as un rôle aussi à maintenir à un moment donné. T'es pas le papa. D'où tu remplaces ton père, toi, pour lui parler comme ça? Ton père, il parle comme ça à ta mère? Non. Alors pourquoi toi, tu aurais le droit de parler comme ça à ta mère? Alors ok, t'as pas une mère parfaite, ok. Est-ce que pour autant, c'est une excuse pour l'insulter? Ouais. C'est une excuse pour toi. Donc tu as le droit, tu t'autorises, toi, à insulter ta mère depuis. C'est-à-dire que toi, on peut faire la même chose, on peut t'insulter alors dans ce cas. Non. Ah bon? Parce que toi, t'es carré, t'es nickel, t'es clean. On peut te faire aucun reproche, c'est ça? Ouais. Ah. Il a raison? Ouais, il a pas raison. Ton portable, soit tu me le coupes, soit je te le casse. Parce que là, toi, je commence à monter, là, j'ai la pression qui arrive là. Ok? Donc je pense que tu me connais pas bien. Moi, mon portable, il est derrière ma poche. Toi, regarde, je te le montre, il est là. Je l'ai mis sur vibreur. Si ça sonne, je ne réponds pas. À tout moment, je suis pareil, hein. Je suis pareil, ça fait 3 fois qu'on m'appelle, j'ai toujours pas répondu. Eh bien, tu réponds pas, tu mets le portable de côté, mais je te vois que t'es dessus, donc quand tu es là-dessus, c'est que t'es pas avec moi. Ok? Ouais. Donc là, je suis venu pour te donner un coup de main, mais il faut que tu m'aides aussi. Il faut que je comprenne aujourd'hui pourquoi votre situation familiale, elle est catastrophique. Donc j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin qu'Olivier me parle, donc ton papa, et j'ai besoin que Nathalie arrête de me mentir. Parce que j'ai ressenti que j'étais de mon côté. En fait, j'étais pas coupable. De ce qui se passait avec ma femme. Ce que je vais vous demander, c'est de préparer des bagages et on va quitter cette maison. Ok? Allez. J'attends de Pascal qu'il m'aide moi sur mon comportement et surtout sur la manière que ma mère elle fait avec mon père. Moi, ce que j'attends de Pascal, c'est j'aimerais bien qu'il arrive à réveiller ma femme et qu'il change un peu le comportement de mon fils aussi. On peut y aller? Alors vous me suivez? Ben j'attends de Pascal qui règle tous les problèmes que dû à notre couple. Hein. Surtout qu'il aide aussi Kevin, ton comportement à tout changer, que la famille se réunit, hein, que ça aille mieux comme avant. Dans la voiture, Nathalie ne semble pas s'intéresser à moi. Elle préfère discuter avec ses copines âgées de 20 ans. Ça, il a la même tête que la télé. Hein. C'est qu'il soit beau ou pas beau, j'en ai rien à faire. Je me suis pris la tête. C'est quoi ma belle? Je t'expliquerai. Au début, franchement, j'ai dit c'est la pète. Ben moi et mon père. Et Pascal, ben ça allait. Ma mère, elle était plus avec son téléphone. Quand Pascal lui parlait, ben elle répondait pas, elle était sur son téléphone. Parce que les gens, malheureusement, vous allez découvrir que les gens sont méchants. Il n'y a pas que des gens gentils sur Terre. Hein. Ils sont méchants, les gens. Les gens sont méchants, ils vont vous critiquer, ils vont vous allumer devant vous. Ils vont faire des beaux sourires. Ça va, ouais, ça va. Ah, t'as vu l'autre, là, laisse tomber, elle draguille tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a dit, ma copine Nazan? Écoute, c'est conseils. Vous vous rendez compte que je suis en train de vous parler? Nathalie, respectez-moi, je suis en train de vous parler choses super sérieuses. Et vous êtes sur votre portable. Non, mais ça veut dire quoi, ça? Vous vous comportez comme une ado de 15 ans? Alors, vous en avez 40? Eh, dites-moi franchement, si ça vous intéresse pas, dites-moi, je vais pas perdre mon temps à parler, moi. Je préfère me taire, garder ma salive pour faire autre chose. Hein. Il va falloir mûrir, hein. Il va falloir grandir dans votre esprit, hein. Vraiment, il va falloir grandir, hein, je vous le dis. Hein. Il me parlait, mais moi je l'écoutais pas, je faisais même pas attention. Il a vu, à un moment ça l'énervait, il a commencé à un peu lever la voix. Après moi j'ai pensé dans ma tête, cause toujours, tu m'intéresses. Après 2 heures de route, nous arrivons dans une citadelle datant de la Première Guerre mondiale.
C'est entre ces murs de pierre qu'ils vont devoir séjourner ensemble. Allez, suivez-moi. C'est par là. Dans cette famille, les conflits sont partout. Et les problèmes du couple ont clairement déteint sur Kevin. Bah, quand on est arrivé là-bas, on a commencé à discuter un peu de tout. En fait, on s'est pas rendu compte. On s'est aussi dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Pour les aider, je décide de commencer l'aventure maintenant. Ici, vous êtes dans un fort. Donc les murs sont très très épais. Donc le réseau, vous oubliez. Donc comme on oublie les réseaux, on va poser les portables sur cette petite table. Je vois bien tous vos portables, s'il vous plaît. Ah, vous êtes sérieux ? Je suis très sérieux, ouais. L'aventure commence maintenant. Donc je coupe le contact avec tout le monde. C'est-à-dire que vous allez devoir, tous les trois, apprendre à vous parler désormais. C'est-à-dire que là, on va devoir oublier les réseaux sociaux, oublier les SMS des copains, des copines, et patati patata. Donc vous allez dormir dans cette grande pièce, mais séparément. Vous avez vu, le lit très confortable, c'est un lit militaire, à l'ancienne. Eh oui. Et quand j'ai vu dans où on allait vivre, franchement, je me sentais pas bien. Moi, j'en ai aussi entendu pour aujourd'hui, j'en ai déjà entendu pas mal dans la voiture. Mais ce que j'ai entendu me plaît pas. Ça me convient pas. Par rapport à votre statut de maman, de femme, ça ne me plaît pas. Je peux pas vous laisser continuer dans cette voie-là, en tout cas. Parce que vous allez vous perdre. Je sais pas que vous êtes prêts. Je vous souhaite une bonne soirée. Il y a ce qu'il faut pour manger. Restaurez-vous. Et on se revoit demain. Je ne vous dis pas à quelle heure. Parce que vous avez vu, il n'y a pas d'horloge. Ça me dérange pas de l'heure. Moi, ça me dérange. Je suis réveillé à 6h. Moi, j'aime beaucoup dormir. Eh bien, ça va changer. On va changer vos habitudes. Quand on me réveille, je suis mauvaise humeur. Ah oui, alors... C'est très bien. Non, c'est pas bien. Parce que moi, quand je réveille les gens qui se réveillent pas, ça me met de mauvaise humeur. Donc, s'il faut que je retourne votre lit, je le retourne. Je vous le dis. Hein. Sérieux, là ? Je suis très sérieux, ouais. Wow. OK, s'il faut prendre un seau d'eau, je prendrai un seau d'eau. Je vous assure, ça va bien se passer. Est-ce que demain, vous allez vous lever ? À demain. Bonne soirée, bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bonne soirée. Au revoir. À demain. Oui, oui. Je compte sur vous, soyez en forme. Merci, au revoir. Je viens de quitter la famille. Franchement, Nathalie, ça va être un enfer. C'est une vraie femme enfant. Elle change d'avis, elle change de ton. Enfin bref, je crois pas du tout à son changement, en tout cas pour l'instant. Par contre, je sens de la vraie tristesse chez Kevin et Olivier. Je sais pas ce que ça va donner demain. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez bien là, regarde, t'es grand. T'as vu ? Explique. Non, j'ai fait une de venir ici. Pourquoi ? Moi, ça me fait rire, man. Même que j'étais pas bien dans ma peau, je crois qu'il fallait que je reste. Non. Moi, demain, moi, je vais retourner à la maison. Hein. On se posait des questions, on était un peu stressés. Qu'est-ce qui va nous préparer ? Qu'est-ce qui va se passer ? On a tous stressé, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire le lendemain. Bonne nuit. Bonne nuit. Moi, je veux avoir des rapports avec ma femme. Attention, j'ai rien à dire. Si t'es comme ça, pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi ? Ouais, repoussez-moi ! Dégage ! Repoussez-moi ! Ça sert à rien, Kevin, ce que tu fais, ça sert à rien, c'est ridicule. Il est à peine 8h ce matin et je pars à la rencontre de Kevin et ses parents. Je leur apporte de quoi se ravitailler pour bien commencer la journée. Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ce matin ? Ça va. Non, ça va pas, je suis malade. Vous êtes malade ? Oui, je pense que... Forme ? Ça va. Kevin ? Ça va. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez mal dormi ? Oui, j'ai mal dormi. Pourquoi ? Parce que j'aurais été mieux chez moi. Pourquoi vous êtes agressive avec moi dès le matin ? Parce que je suis malade, je suis pas bien. Alors que je suis calme, regardez, je suis bien. Vous voulez qu'on fasse comme hier ? Vous voulez que je josse la voix, que je crie comme hier ? Non. Alors, bon. Attendez, moi j'ai le nez tout infecté, j'ai une tête comme ça. Alors on va vous donner ce qu'il faut, vous inquiétez pas. J'ai envie de me donner des coups de poing dans le mur tellement que j'ai mal. C'est vrai ? Vous pouvez, hein, les murs sont solides ici. Non, non, pas ici, je vais me blesser après. Ah, bon, c'est bien, au moins vous êtes conscient. La nourriture est pas bonne, il n'y a pas de lait. Ça, le bootcamp. L'idée du bootcamp, c'est de vous sortir de... Moi j'aurais pu ramener à manger à la maison. Je vais vous expliquer. L'idée du bootcamp, c'est de vous mettre à l'extérieur de chez vous avec un minimum de confort qui n'est pas celui de chez vous. C'est fait exprès. Nathalie fait déjà des siennes, car pour elle, les règles du jeu sont difficiles à accepter. Envie de vous en sortir ? Oui. Vous avez vraiment envie ? Mais il y a des fantômes ici. Hein. On entend des bruits bizarres. Cette bâtisse, elle date du 19e siècle. Donc il s'est passé des choses ici.
Forcément, il y a peut-être, peut-être des fantômes. Ah, peut-être. Il y a peut-être qu'ils viennent vous rendre visite. Ouais, bah... Ok, pour vous prendre tout ce qu'il y a de mal chez vous et partir avec. Ça marche ? Toi, tu rigoles le matin. Ouais, je rigole le matin, ouais, c'est un miracle. Faut que je le mette le poing sur le cadre. Là, vous arrivez à le faire rigoler. Ah, si j'arrive à faire rire Nathalie, alors là, oui, effectivement, c'est magique. Ouais, franchement, d'habitude, le matin, je rigole pas. Hein. D'habitude, faut pas me parler le matin. Faut continuer, c'est bien. Aide ta mère. Tout tombe ici, hein. C'est, y a vraiment des fantômes, les gars. C'est ça. Bon, je vous laisse déjeuner, parce qu'on a quand même du travail, donc on a le temps de discuter toute la journée. Bon appétit. Merci. À tout à l'heure. Ce matin, la communication n'est pas vraiment au rendez-vous. Mais je n'oublie pas que je suis ici pour régler leurs nombreux problèmes. L'urgence de ce matin est de faire comprendre à cette famille que chez eux, tout va mal. Pour qu'ils prennent conscience de la gravité de leur situation, je les invite à m'accompagner dans les sous-sols de la forteresse. Comme vous pouvez le constater, on est dans une salle de cinéma. Ça se sent que je vais projeter un film. Vous allez bien écouter ce que je vais vous faire découvrir. Ok ? Ok. Mais on mange quoi ? Moi, j'ai même pas mangé. T'as vu ? Vous pensez qu'à vous, c***. Eh oh ! T'as qu'à faire à manger. Bah oui, je vais acheter des chaussures. Peut-être que je vais aller voir la lune. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu là, tous les trois? Et de ce que vous avez vu surtout? Ça m'a choqué déjà quand. Avec l'aspirateur, la façon comment je parle à mon fils, comme il me parlait aussi. Vous pensez que votre langage est normal? Non. Vous me parlez de la même façon? Non, mon langage, il n'est pas normal. J'ai pas à parler comme ça, mais mon fils non plus. Je suis d'accord. Je pense que c'est normal de dire à sa mère. Non. Et pour vous, Olivier? Franchement, c'est choquant, quoi. Parce que ce que j'ai vu là au départ, moi j'étais pas là, quoi. Et là, j'étais vraiment choqué de voir ça, quoi. Parce qu'on me l'a raconté, mais en le racontant, c'est pas pareil. Voilà ce que vous faites au quotidien. Et ça fait des années que ça dure. Et si vous continuez comme ça, tous les trois, vous allez dans le mur. Vous partirez, il va se retrouver tout seul, lui, il a pété un plomb. Je peux comprendre que tous vous soyez énervés, agacés par les uns et les autres. Mais à un moment, il faut se remettre en question et se poser les bonnes questions. Est-ce que vous voulez que je remette la vidéo? Non. Ou ça suffit pour vous? Non, c'est bon. C'est bon. Enfin, quand on est comme ça, quand on est énervé, quand on parle comme ça, on croit que, en fait, on croit que c'est normal. Mais après, quand on se voit en vidéo, ça, c'est un choc. Quand j'ai vu ça, franchement, ça m'a fait mal. Je me suis pas reconnue et j'ai dit, c'est pas moi, c'est pas possible. Ça m'a fait très mal, j'avais les larmes aux yeux. Pour une fois, là, vous êtes en train de vous ouvrir, enfin. Ça commence. Vous voyez bien que ce travail-là, il n'est pas inutile. Il vaut mieux que les vérités éclatent et qu'on reparte sur des bases un petit peu plus saines. Ça vous va? Ça va aller? C'est pas fini, hein? On a encore d'autres choses à faire. Ça, c'était la première étape. Donc, ce que je vous demandais, c'est de me suivre. Et puis, vous allez voir ce qui vous attend. OK? OK. Allez, venez. Nathalie semble très touchée par ces images. Mais cette situation est la réalité de leur quotidien. Et ce qu'ils ignorent, c'est que l'aventure ne fait que commencer. Pour les aider à rétablir le dialogue entre eux, il est indispensable qu'ils se parlent à cœur ouvert une bonne fois pour toutes. Et c'est dans ce hangar que les vérités vont devoir éclater. Alors Kevin, tu vas te placer derrière les ballons blancs. Et Olivier, derrière les ballons jaunes. Alors, je vous ai emmené ici pour plusieurs raisons. Vous avez tous, les uns et les autres, des choses à vous reprocher. On n'est surtout pas là pour se réconcilier. On n'est pas là pour se faire des bisous. On n'est pas là pour se dire que l'on s'aime. On est là pour dire ce qui ne va pas. Mais on va se concentrer surtout sur Kevin. Qui veut commencer? Ce que je reproche à mon fils, c'est de parler à ma femme méchamment.
En fait, je veux que tu la respectes, ta mère. Que tu respectes tes frères, tes sœurs. Quand elle commencera à parler correctement, je parlerai correctement parce que je suis pas un chien non plus. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je voudrais que tu changes de comportement envers les profs. Mais tu vois, tu t'es fait virer de l'école. Partout où tu vas, il y a des règles. Il faut les respecter. Moi, je voudrais bien que tu fasses un effort. Et quand je commence à faire mes... Puis faire mes devoirs et tout. Pourquoi? Parce que quand je demandais de l'aide, quand je demandais quelque chose, non, j'ai ça à faire, non, j'ai ci à faire. Normal oui, que je fasse plus rien. Je suis peut-être d'accord avec toi. Je suis peut-être d'accord avec toi. Mais moi, j'ai pas été beaucoup à l'école. J'étais à l'école jusqu'à 16 ans. Après, à 16 ans, j'ai fait un apprentissage. Bah même, tu peux au moins essayer, même si t'arrives pas. Pourquoi votre fils est violent, à votre avis? Elle vient d'où, la violence? Elle vient de chez nous, c'est tout. Ça vient de chez nous, ça. Tout ce que Kevin y voit. Tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit. T'as la rage, Kevin, à cause de ça. Non, mais y a pas que ça. Ah, y a quoi, alors? J'ai peut-être 15 ans, mais j'ai aussi besoin d'amour, quand même. Vous me le montrez pas assez. Et moi, j'ai l'impression que mon mari, il le rejette. Hein, tu m'avais dit, il y a pas longtemps, tu m'as dit, ouais, j'ai l'impression que papa, il fait des préférences. Et moi, je vous aime tous. Les 5 que j'ai, je les aime tous. C'est tout, il n'y a pas de différence. Ça te fait quoi, d'entendre ça? C'est du bien. T'as besoin d'entendre? Ouais. Tu penses qu'il est sincère, ton papa? Ouais. Alors, c'est ce qu'on va faire. Kevin, si t'en as fini avec tes parents, ce que je vais te proposer, Kevin, c'est de nous laisser. Je pense que tes parents ont des choses à se dire. Et on va continuer simplement tous les trois. Donc, à tout à l'heure. Merci, Kevin. À tout à l'heure. Donc, quand je suis parti, bah, après, je me suis dit, ouais, j'espère qu'ils vont essayer de tout se dire, que tout va rester là-bas et que tout se passera mieux. Quoi. Alors, en ce qui nous concerne, mari et femme, aujourd'hui, c'est très compliqué. Il n'y a plus de confiance. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez vous dire les choses, ce que vous reprochez à l'un et à l'autre. Alors pour cela, j'ai prévu quelque chose. Je vais installer une petite maison, là, face à vous. Cette maison symbolise votre maison. Et ce que l'on va faire, c'est que cette maison, on va la casser. On va tout casser pour tout reconstruire. Allez-y, faites-vous plaisir, parlez-vous et détruisez-moi tout ça. Pourquoi tu m'as trompé? Déjà, pour le moment, c'était un bisou. Il n'y a pas eu des rapports. Ça a été plus loin pour moi. Non, ça n'a pas été plus loin, non. Pour moi, t'as été plus loin. Moi, je te dis, non, non, non. Pourquoi quand on s'est quitté pendant 2 ans, t'es parti avec lui quand même? Quand vraiment c'était fini entre nous, je suis retournée avec le Eric. D'accord. Et puis quand on s'est remis ensemble, au bout de 2 ans, pourquoi t'as recommencé? Quelque chose que t'as fait? L'histoire de l'autre, là, comme ça s'appelle au cas. Voilà. Il n'y a rien eu, hein. Il y a peut-être rien eu, mais t'as guichonné, mec. Toi, tu fais des choses que moi, j'ai pas le droit de faire. Et que moi, je ne ferai pas. J'ai du respect envers toi. Mais toi, le respect, tu me le donnes pas envers moi. T'attends quoi? T'attends que je me batte? T'attends quoi? N'importe quoi. Dis-moi, pourquoi tu cherches? Je ne cherche pas du tout. J'ai l'impression qu'elle vous provoque volontairement pour voir votre réaction. Pour toi, elle le sait que je suis jaloux. Le pire, c'est ça. Et jaloux, mais... Je sais que je suis jaloux. Tu le sais, non? Un peu. Déjà, pour le moment qu'il arrête de regarder les nanas de haut en bas. Mais est-ce que vous allez arrêter d'aller voir les hommes, de les aguicher, de provoquer non, quand quelqu'un quand passe devant? Nanas, il y a une façon de les regarder. Ah, mais vous faites quoi? Moi, je regarde, j'ai des yeux pour regarder. Je regarde, ok. Tu regardes, mais je vais pas là-bas aller les aguicher, les gonzesses. Arrête de me dire le contraire. Maintenant, je vais m'attacher à un sujet qui est un peu délicat. On va parler de votre intimité. Votre intimité, comment elle se passe aujourd'hui? Est-ce que vous avez des rapports réguliers? Non. Ou plus du tout? Est-ce que vous avez envie d'avoir des rapports avec votre femme? Moi, je veux avoir des rapports avec ma femme. Et vous, est-ce que vous avez envie de votre femme? Pour l'instant, être honnête. Je suis coincée. Ah, coincée par quoi? Je me sens pas bien, je me sens sale dans ma peau. Mais ça change pas le problème, le fait que vous alliez voir ailleurs. Moi, je discute, mais je fais rien de mal. Jusqu'à maintenant, c'est pas ce que j'ai entendu. Hein. Vous avez une réputation, hein, je vous dis franchement. Dans le quartier, Nathalie, elle est connue. Hein. Comment ça, je suis connue? Ah bah, vous êtes connue, comme le loup blanc. Comme une femme qui parle facilement aux hommes, qui sort avec des jeunes de 15 ans de moins que vous, qui monte dans une voiture avec un homme à l'inconnu et vous faites un bisou. Je vous pose une question. Est-ce que sur votre téléphone, il y a une application où vous pouvez discuter avec des gens de tout
de tout milieu. Merde, là. Vous avez ça sur votre portable ? Oui. Vous parlez avec quel type de personne là-dessus ? Avec des gens que vous connaissez réellement ? Non, il y en a un que je connais pas qui s'appelle Marin. Ah, il y a un nouveau, ça y est. Trop grave. Allez. Ouais. Mais ça, celui-là, je l'ai connu sur... Ah, bah voilà ! Merci ! Mais ce site-là, il sert à quoi ? C'est les sites de rencontres. Vous avez fait des rencontres ? Oui. Des personnes. Réellement, physiquement ? Des rencontres en discutant. Discussion, elle tournait autour de quoi ? Attendez, c'était des jeunes de 20 ans. Ah, mais ça tournait autour de quoi, les discussions ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, j'ai 20 ans. T'as quel âge ? 40 ans. Eh ben, écoute, comment tu vas ? Bah, je vais bien. Arrêtez de me la faire à l'envers. Aussi. J'ai dit au gamin, j'ai dit, attends, j'ai dit, moi, j'ai une gamine de 20 ans, tu pourrais être mon fils. Mais moi, je l'ai envoyé bouler. Moi, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, moi, j'ai ma fille de 20 ans. J'ai dit, si tu veux, je te la présente. Excusez-moi, c'est non, nerveux. Mais vous rigolez. Non, c'est nerveux. Moi, je m'en bats les couilles. Vous savez pourquoi ? Non, je m'en bats les couilles. Hein, ne parlez pas comme ça. Je m'en fous. Écoutez-moi. Vous discutez avec un jeune de 20 ans et vous proposez qu'il rencontre votre propre fille. C'est ça qui me fait rire, quelque part. Oui, ça vous fait rire. Vous imaginez la situation ? Après, il m'a dit parce qu'il cherchait quelqu'un, il voulait quelqu'un dans... Mais alors, t'es obligé de proposer ta fille. Bah, réponds. J'ai pas envie de répondre, j'ai rien à dire, c'est tout. À ce moment-là, ma femme, elle a, je pense qu'elle a compris. Elle avait remarqué qu'elle avait fait des conneries. Moi, je suis. J'ai subi ces. Nathalie, ce qui est fait est fait. On est là pour en parler, hein. C'est pour ça que ça fait mal. Hein. C'est pour ça que là, vous renfermez, vous êtes dégoûté parce qu'il y a des vérités qui éclatent. Mais c'est pas grave. C'est le but de l'exercice. Vous avez pas envie de vous engager là devant moi, là, déjà. Vous avez pas envie de. Vous êtes pas prête ? Ok. Et vous ? D'accord, je l'aime. Si vous avez. Tout dit, je vous propose, c'est qu'on y aille, parce qu'il y a autre chose encore qui vous attend. Ok ? Entre Nathalie et Olivier, les blessures sont nombreuses. Leur couple est au bord de la rupture, j'espère pouvoir les sauver encore à temps. Alors, Nathalie et Olivier se sont enfin parlé, par contre le couple est loin d'être consolidé. Maintenant je vais m'occuper de Kevin. Lui, qui maltraite ses frères et sœurs et toute la famille, je lui ai réservé un exercice qu'il n'est pas prêt d'oublier. Dans les hauteurs de la forteresse, au point culminant des montagnes, c'est ici que j'emmène Kevin. J'ai tenu à lui bander les yeux de peur qu'il ne s'échappe. Viens, je te demande ce que tu fais là. Allez, retire ton bandeau. Tu vas me dire si tu mérites d'être là ou pas. J'ai une manette avec un petit poteau, soit rouge, soit je l'utilise, soit je l'utilise pas. Si je l'utilise, tu voles. Ça va dépendre de ce que je vais voir ici. Eh bien écoute, découvrons ensemble les images. Et puis on verra si j'appuie sur le bouton ou pas, si tu le mérites. Sors de là ! Pourquoi cette scène-là que j'ai vue avec ta petite sœur ? Ça te fait pas réagir, tout ce que tu vois là ? Tout ce que tu fais subir ? Kevin refuse la réalité, il ne semble pas être concerné. Si c'est un jeu pour toi, c'est pas un jeu pour moi. Si tu veux que ça s'arrête, dis-moi. J'attends des choses de ta part, j'attends des paroles bien précises. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Hein ? Qu'est-ce que j'en sais ? Je sais pas, ça me saoule. Hein ? Ça me casse les couilles. Kevin est agacé et il ne semble décidément pas disposé à me parler. Donc tu fuis tes problèmes, ça, soir ? C'est ça que tu fais ? T'assumes pas ? T'assumes pas ce que tu fais, subir à tes proches, c'est ça ? Parle-moi. Parle-moi. C'est ça que tu fais ? Donc tu veux fuir ? Tu veux te barrer ? Tu veux abandonner ? Tu veux baisser les bras comme tu fais toujours ? Bah baisse les bras, mec. Là, ce que tu fais, Kevin. Ah, je vais pas te lâcher. Non, mais j'ai rien à dire. Si t'es comme ça, pourquoi t'es comme ça ? J'ai rien à dire. Pourquoi t'es comme ça ? J'ai rien à dire. Regarde-moi, regarde-moi. Non, je regarde personne. Écoute. J'ai rien à dire, moi, jusqu'au début, là, j'ai tout dit. Là, non, non, non. Je rien, voilà. C'est ça que tu veux ? C'est ça que tu fais ? Tu fuis ? Hein ? Viens discuter avec moi ! C'est ça ?
C'est à ton intelligence. Hein, Kevin? Il fuit ses responsabilités. Il n'assume pas ses actes. Il pense m'avoir tout dit. Je repars à sa recherche. Kevin, Kevin, écoute, ça sert à rien de courir. Hey, oh, garçon, Kevin, sois intelligent. Regarde, c'est quoi? Je demande au caméraman de s'éloigner, on parle que toi et moi tous les deux. Ça sert à rien, Kevin, ce que tu fais, ça sert à rien, c'est ridicule. Hé, hey, Kevin, si t'en es là aujourd'hui, c'est pas de ta faute à toi. Kevin prend la fuite. J'ai peur que ma mission soit compromise. Je le cherche dans tous les recoins, mais impossible de retrouver sa trace. J'ai pas continué à les courir. Après, pendant des heures, la nuit va tomber quand il aura bien froid. Et quand il aura faim, il sera obligé de rentrer. Donc je vais l'attendre de pied ferme. Mais en tout cas, je vais pas le lâcher. Pendant ce temps, dans le fort, Nathalie s'entretient en tête-à-tête avec notre psychologue, Caroline Bonhomme, afin de comprendre son besoin constant de séduire. Donc, est-ce que vous pouvez me dire déjà si ce besoin de séduire, ça a été depuis toujours, depuis que vous êtes adolescente, ou au contraire, ça a été à une certaine période de votre vie? Non, c'était depuis tout jeune. Comme j'étais rejetée par ma famille, j'ai dit par exemple, si j'irais vers quelqu'un, peut-être que je me sentirais mieux. Tant il y a des personnes qui me donnaient... j'ai l'impression que mon mari ne me donne pas assez d'amour. Alors c'est pour ça que je vais vers des personnes. Peut-être qu'ils arriveront à me comprendre, à parler. Et j'ai l'impression que je suis rejetée. Donc vous cherchez à combler un manque? Oui, un peu un manque. Il y a une pulsion en vous qui vous donne envie de séduire à tout prix. Et si vous avez besoin de ça, c'est par rapport à l'estime de soi, où elle est assez basse, et vous avez besoin de vous prouver que vous pouvez plaire. Mais malheureusement, ce que vous ne voyez pas, c'est que ça ne vous fait pas du bien pour de vrai. C'est qu'au début, ça apaise, c'est un petit peu comme une drogue, vous sentez un effet positif. Ouais, trop mignonne, machin, suffisante, machin, des trucs comme ça, et après, à un moment, je me sens... Vous sentez quoi? Mal. Parce qu'effectivement, votre raison revient et vous dites « mais je ne suis pas une fille comme ça, mais pour qui on prend ?» Voyez, c'est et du clair, coup... je vous pose aussi les questions comme ça. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur l'estime de soi, pour mieux que vous compreniez pourquoi vous avez construit cette estime de soi qui est un petit peu instable. Je vais vous expliquer un petit peu comment on construit cette estime de soi. Nathalie manque cruellement de confiance en elle, et cela est dû à son enfance. À travers un tableau, Caroline va lui montrer quel type d'éducation elle a reçu et les conséquences qui en ressortent. Un enfant, il a besoin de deux sortes de nourriture. Donc la nourriture affective. À côté de ça, qui est important d'avoir, c'est la nourriture éducative. C'est qu'il faut instaurer des règles. Effectivement, voilà, c'est l'éducation. Donc en tout, il y a quatre possibilités. Il y a l'enfant qui va recevoir de la nourriture affective et de la nourriture éducative. Dans ce cas-là, ça va être un enfant épanoui. Ensuite, quand les enfants aiment de façon inconditionnelle, mais par contre, il n'y a aucune loi chez eux. Donc là, ça va être l'enfant roi. Quand il n'y a pas d'amour et qu'il y a en plus des règles à respecter, ça, c'est l'enfant dressé, le petit soldat qui est très bien éduqué. Et le dernier cas, c'est l'enfant abandonné. C'est qu'il ne reçoit pas d'amour de ses parents et ne reçoit pas non plus de règles. Il est vraiment lâché dans la nature. Oui, rejeté. Rejeté. Vous, vous êtes dans quelle case? Le 1. Vous êtes là. Vous ne vous aimez tellement pas que vous avez besoin de chercher à tout prix la nourriture affective ailleurs. Mais c'est là où, justement, vous vous trompez. C'est-à-dire que vous pensez qu'en séduisant, vous allez avoir de la nourriture affective, mais c'est de la nourriture empoisonnée. La nourriture affective, celui qui peut vous l'apporter vraiment, c'est qui, vous pensez? Mon mari. Oui. Mais je me sentais un peu mieux. Ça m'a fait du bien. Nathalie a pris conscience que son comportement est lié à un manque affectif et qu'il est encore temps de résoudre ce problème. À l'extérieur du bootcamp, Kevin est toujours en fugue. En attendant, je vais m'occuper du cas d'Olivier, car j'ai besoin de réveiller le chef de famille qui sommeille en lui. Si je vous emmène ici, c'est pas pour rien. Je sais qu'il y a beaucoup de rage encore chez vous. Il m'avait dit, il y a des choses que je dois sortir, qui doivent sortir.
J'arrive pas à les faire sortir. Olivier est chauffeur-livreur de profession. Et ses absences durant la semaine auraient des répercussions sur le comportement et la fidélité de Nathalie. On va parler de tous ces hommes là qui tournent autour, qui gravitent autour de votre femme. Donc comment vous vous sentez, vous, par rapport à ça? En qualité d'homme, en qualité de chef de famille? Bah, je me sens mal, très mal. Ce mal-être, vous voulez le garder ou vous voulez l'évacuer? L'évacuer, comment l'évacuer? Je sais pas. Pour l'aider à évacuer ce qu'il ressent, je vais lui enfiler les gants et le pousser à bout pour qu'il retrouve au plus vite sa place au sein de la maison. Donc imaginez, hein, je vous ai dit que je vais mettre à la place de tous ces hommes et je vais parler de votre femme. Donc, oubliez Pascal. Pensez à ceux que vous avez déjà vus. Donc mettez leur visage sur mon visage. Et je passe tous les jours devant votre jardin. Et quand je passe, je fais... Ça va Nathalie, vous allez bien? Il fait chaud aujourd'hui. Il n'est pas là votre mari? Bah non, il travaille. Ah, vous êtes seul alors? Qu'est-ce que vous faites de beau? Je peux pas la laisser tranquille. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme ça que vous auriez dû agir. Montrer que vous tenez votre femme, mais votre femme ne vous voit pas comme ça. J'ai l'impression qu'elle vous prend, et je suis désolé de vous dire ça, c'est pas ce que je pense. J'ai l'impression qu'elle vous prend pour un minable. Je vais vous faire tout seul. Eh, c'est ça. Mode de pas. Ah, c'est ça. C'est ça, encore. Allez. Allez. Allez, repoussez-les, encore. Allez, repoussez-les. Regardez, ils sont plus forts que vous. Allez, lâchez-vous. 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 Allez, encore. Encore. Voilà, c'est ça. Allez, encore. Battez-vous, battez-vous. Montrez-moi. 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 Montrez-moi qui vous êtes. Encore. Allez, repoussez-moi. Dégage. Repoussez-moi. Et repousse-moi. Allez. Voilà. Je sais que c'est dur. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah oui, vous avez lutté. Et vous y êtes, pour la première fois, vous y avez cru. Ça y est, vous êtes libéré. Donc si quelqu'un, demain, s'approche de votre femme, allez le voir, soyez déterminé comme vous avez été déterminé avec moi. Bon, est-ce que vous avez des choses à me rajouter, à me dire ce que vous sentez soulagé? Est-ce qu'on refait une série? J'ai laissé toute ma haine. Toute ma haine là-bas. Maintenant que j'ai redonné à Olivier la force d'y croire et que Nathalie a enfin trouvé les réponses à ses questions, il me reste encore à résoudre le problème de Kevin. Souvenez-vous, tout à l'heure, Kevin a pris la fuite, refusant de me parler. Ça sert à rien, Kevin, ce que tu fais, ça sert à rien, c'est ridicule. Alors que je m'accorde une courte pause pendant le tournage, je l'aperçois au loin et il semble venir en ma direction. Je me suis dit que comme tout ce qu'on avait commencé, l'aventure et tout, si je baissais les bras, en fin de compte, c'est que j'avais pas envie et que... En fin de compte, ma famille, tout ça, en fait, je laissais tomber tout le monde, quoi. Bon, Kevin, déjà, tu reviens, c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'éjecteur? Moi, je pensais que vous voulez me faire sortir un secret, alors qu'en fait, y a rien. Ah ouais? Moi, je voulais pas te faire sortir un secret, je voulais te parler de tes frères et sœurs. C'est tout ce que je voulais faire. En fait, la symbolique de ça, c'est que comme tu as tiré ta sœur par le bras, donc tu l'as tiré fortement, bah là, Elastic, il a fait la même chose, il t'a tiré, tu vois, il t'a expulsé. Ouais. Je vais te faire comprendre ce que ça faisait. Et je voulais savoir si toi, t'avais des choses à leur dire à tes frères et sœurs. Ouais. Ouais, je m'excuse de tout le monde que je leur ai fait. C'est sincère? Ouais. Ok. Je te remercie d'être venu, parce que franchement, c'est pas facile. Mais tu vois, quand il y a un problème de compréhension, d'entente, bien, tu dis les choses, tu fais attention, je comprends. Tu me demandes quoi exactement? Pose des questions. Ouais. Que ce soit avec moi, soit avec tes profs, ou les gens de ton entourage. Au lieu de te barrer, si tu fuis, c'est toi qui es en tort. Ok? Allez, viens. Encore une chose à dire. Ah, dis-moi. Je m'excuse pour ce que j'ai fait à ma sœur, à ma grande sœur. Comme quoi, je ne suis pas sûr avec elle. Tu regrettes aujourd'hui? Ouais. Ça te touche, ça, on dirait. Allez. Allez, hein. Écoute, ce qu'elle fait. L'avantage, c'est que tu te rends compte que c'était une... Hein? Tu te rends compte que c'était une... C'est bien que tu te libères, ça fait du bien. T'as raison. Ouais, c'est normal d'être comme ça. Reste tout ça ici, regarde. Ça va aller maintenant. T'es pas habitué à ce qu'on te prenne comme ça dans les bras contre console, hein? Non. Je vois ça, hein. Là, je vais apprendre ça à tes parents, tu veux? Ouais. Ok, allez, viens, on y va. Allez, ça va aller, t'inquiète. C'est bien, mon Kevin, c'est bien. Viens, on passe par là, viens. Dur, hein. J'apprécie que Kevin se soit livré à moi. J'entends sa souffrance et je suis là pour l'aider à aller désormais de l'avant. La nuit s'apprête à tomber. Ce soir, je leur accorde une soirée en famille car la journée était très lourde. Je les laisse se retrouver et j'espère que les tensions disparaîtront.
Encore, je me doutais pas ce qu'il allait me faire. Hein. Je m'entendais pas à ça. Mais quoi? Bah, me fracasser avec lui. Bah, il le fallait bien. Hein. Je m'entendais pas à ça. Pourquoi il a fait ça? Pour sortir toute la rage que papa il a en lui. On a parlé. Qu'est-ce qu'on faisait quand on a acheté chez psychologue, lui qu'il avait fait de la boxe avec Pascal. Eh ben franchement, on avait une meilleure conversation, sans dispute. Franchement, super. Bah, le deuxième soir, on a discuté et tout. Et puis, je me suis dit, là, ça commence à être bon signe. Mais bon, je lui laisse le temps quand même. Le problème, ils ont vu que c'était pas Kevin, en vérité. Kevin, oui, il a un problème. Mais le problème, il vient d'où? En fait, le problème, il vient du couple. Parce que le problème, en fait, il y a plus de problèmes entre vous que moi. Voilà. C'est ça qu'il a remarqué, en fait. Il a dit, c'est pour ça que Kevin est comme ça. La nuit tombe sur la forteresse. Dans la citadelle, tous prennent la direction de leur lit, car la journée de demain va chambouler leur quotidien. Allez, on y va, suivez-moi. Moi, c'est froid. Et vous, vous le faites aussi ou pas? Je veux voir ça. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. C'est perdu. Tous ensemble pour leur famille. Ce matin, j'ai mis en place un plan pour tester la jalousie de Nathalie et par la même occasion lui donner une leçon. Je vais justement la chercher. Bonjour. Ah, les lits ont été rapprochés. C'est bien? Bah oui, c'est bien. Ça allait bien? Enfin, ça va, merci. Ça va, bien dormi? Ça va. Kevin, tu dors encore? Je suis fatigué, moi. Fatigué? C'est à cause du saut, c'est ça, non? Non. Ah non, c'est le fait que tu sois échappé pendant plus d'une heure et demie, t'as couru pendant une heure et demie, c'est ça? Non. Bon, ça va? Ouais. Comment ça s'est passé hier soir? Bien. Très bien, parfait. Alors ce matin, je vais avoir besoin uniquement de vous. Ouais, c'est encore votre tour. Vous mettez un petit blouson et on décolle, on y va. En tout cas, vous avez l'air en forme, souriant, c'est bien. Hier aussi, on est sorti dehors et il y a eu un câlin tous les trois. Ah, bien. On s'est fait des câlins, des bisous. Très bien. Tous les trois. Très bien. Et je lui ai dit que je l'aimais. Oui, j'avais les larmes aux yeux. Tu sais, c'est insensible, hein? Ouais. Bah oui. Et il a quand même besoin de nous. Exactement. Quel que soit l'âge, d'ailleurs. Mm. En tout cas, votre langage déjà a changé. Bien, bon, je suis ravi de cette petite discussion, mais de toute façon, on aura besoin de se voir tout à l'heure. Pour l'instant, vous partez avec moi, ok? À tout à l'heure, repose-toi, et puis bah, je vous appellerai juste après. Pas de bisous, rien du tout, non? Pour dire au revoir. Hein? Ouais, franchement. Je sais que vous en mourrez d'envie, mais vous faites pas. Voilà! Il est content, hein? Hein? Pour mettre en œuvre mon plan, j'ai convoqué Diane Vaz, une comédienne qui incarnera le rôle d'une serveuse. Elle aura pour objectif de charmer Olivier, qui est dans la confidence. Pour mettre Nathalie à l'épreuve, j'ai mis en place une régie avec des retours vidéo à l'arrière de la cafétéria du fort. Alors ici, vous avez un écran. Lorsque je vais allumer cet écran, vous verrez apparaître votre mari, Olivier. On va observer ensemble la situation. C'est une situation que j'ai volontairement créée pour voir votre réaction. Okay. L'objectif, c'est de savoir si vous êtes toujours amoureuse et si vous êtes jalouse. Mettez le casque. Et puis, on va allumer l'écran. Bonjour. Bonjour. Tu peux avoir un café, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Il fait froid aujourd'hui, hein? Il fait pas beau, hein? Ouf. Non, mais sérieux, là. Quoi? Il est avec une meuf, là. Merci. Vous êtes tout seul? Non, je suis marié. Vous êtes venu en famille? Oui, on est venu en famille, oui. D'accord. Et vous venez prendre votre café tout seul? Bah, je bois un café parce que bon, ça va pas trop bien avec ma femme, quoi. Et qu'est-ce qui va pas avec votre femme? Bah, je sais pas si elle m'aime encore ou... Il n'y a plus rien entre nous, quoi. Oula. Difficile, non? Vous n'arrivez pas à communiquer? Non. Pas du tout. Pourtant, vous avez l'air sympathique, gentil, ouvert. Bah oui, mais je pense pas qu'elle le voit comme ça. Vous êtes inquiète quand même? Parce que là, j'ai l'impression qu'elle fait un petit peu du rond dedans, non? Ah non, mais sérieux. Alors, mettez-vous à sa place, deux secondes, à votre mari. Quand vous discutez avec des hommes, même s'il y a rien,
Même si vous... Ouais, mais elle est trop approchée de lui. Là. En plus, elle s'est mise à l'aise, vous avez vu. Elle a retiré son blouson. Vous pensez que... Elle pourrait lui plaire, votre mari? Oui. C'est son style de femme? Oui. Comment ça se fait qu'elle discute avec d'autres hommes comme ça? Bah, si je le saurais. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, elle parle avec eux? Mais de quoi? Bah, je sais pas. Elle me dit qu'elle parle... Elle parle de tout, mais je sais pas de quoi qu'elle parle exactement. Et vous, vous le faites aussi ou pas? Non, moi je le fais pas. Non. Je veux voir ça. Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ça vous fait quoi de voir ça? Ça me fait mal. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez me rejoindre? Oui. Vous êtes sûr? Ah, j'avais la rage. Parce que le mal que j'ai fait à mon mari, je pensais pas que ça allait me faire mal à moi. Et finalement, j'ai vu que ça m'a fait mal. Et j'ai dit finalement, je l'aime, je tiens à lui. Mais il y a... c'est vrai que j'ai du mal à lui dire. Vous l'aimez, votre mari? Ouais. Ça vous fait quoi de le voir discuter avec une... Ça me fait mal. Une jeune femme. Vous imaginez ce qu'il ressent, lui, quand il vous voit discuter avec des hommes? Donc, si vous voulez y aller, n'importe quel moment, vous y allez. Je vous retiens pas. Bonjour. Pas ça. Non. C'est ce que tu me fais à moi. Ça fait mal, hein? Oui, ça fait mal. Quand je le prends dans les bras, franchement, c'est à moi. Si par exemple, il y aurait une nana qui s'approcherait de lui, je crois que ça tournerait mal. Bah, j'étais heureux, quoi. Heureux. Je vous présente Diane, Nathalie, qui est comédienne. Donc n'ayez pas la haine contre elle. Elle a juste joué la comédie, d'accord? C'est moi qui ai fait appel à ses services. Voilà, c'est son métier. Donc je lui ai demandé de jouer un jeu de dragouille. Essayer de détourner votre mari. Quand j'ai vu votre réaction, j'ai su tout de suite que vous étiez encore amoureuse de lui. Et que vous êtes jalouse aussi. Donc en fait, j'ai fait ça exprès pour faire comprendre ce que votre mari ressent quand vous parlez à des hommes. Ça fait du bien de vous voir comme ça. Diane, je tenais à te remercier. Merci beaucoup. Good job. Vous voulez la remercier aussi ou pas? Bon, ok, apparemment, vous voulez pas, Nathalie. Okay. Diane, je te laisse. Merci à toi. Allez, venez tous les deux, le tour là. Merci beaucoup. Vous avez peur, hein? Avouez. Vous avez peur qu'elle l'embarque, votre femme, là? J'avais peur qu'elle t'embrasse. Hein, vous avez eu peur? J'ai remis mon poing à la figure. Maintenant que j'ai pu prouver à Olivier que sa femme tenait toujours à lui, j'ai décidé de leur faire passer un moment en toute intimité. Votre place est ici, la vôtre est ici. Alors, j'avais besoin que vous puissiez vous retrouver. Donc on va faire un exercice qui est très simple et vous allez le faire que tous les deux, moi je ne serai pas là. Donc, à votre disposition, il y a un short à passer, vous avez un maillot de bain, vous irez là derrière pour vous changer. Et moi je vais m'éclipser. Sur la table, vous avez de la peinture pour corps. C'est la peinture que vous pourrez enlever après, une fois que vous prendrez une douche. Et avec les pinceaux, vous allez devoir écrire vos engagements, mais pas sur un morceau de papier. Sur nous. Sur vous, ouais, sur vous-même. Ah ouais, ouais. Mais vous inquiétez pas, il n'y a rien de vulgaire. Et on va passer à la télé. Et surtout, n'oubliez pas, à chaque fois que vous inscrivez quelque chose, vous le dites à haute voix, et surtout, vous expliquez pourquoi vous avez mis ce mot-là sur chacun d'entre vous. D'accord? D'accord. Ça vous va? Bah déjà, j'ai déjà du mal à me montrer devant mon mari. Ah, bah justement, ça fait partie d'une épreuve. Vous y tenez, à votre mari? Oui. Est-ce que vous avez envie qu'il discute avec des jeunes filles encore? Non. Donc si vous voulez plus ça, montrez-lui qui vous êtes réellement. Ok. À tout à l'heure? À tout à l'heure. Allez, je vous laisse passer par ici. Ben, quand il nous a dit que je me mettais en maillot de bain, franchement, je me sentais pas bien. Bon, moi, je l'ai fait par amour.
Ma femme était un peu stressée. Mais moi, j'ai trouvé ça très rigolo et puis très intime, quoi. Parce que, en fait, je me suis rapproché d'elle. Je suis fidèle à toi parce que je t'aime. Non, c'est pas trop froid ? Non. Non ? Ouais, franchement, c'est bien, c'est cool. Avant, je te prouvais pas que je t'aimais, maintenant je t'aime. C'est pour ça que j'ai marqué amour. Je t'aime comme je t'ai toujours aimé. Je serai toujours fidèle. Parce que je t'aime. Parce que j'ai des frissons. Continuons ensemble. Sans jouer, qu'on continue ensemble. Franchement, c'était romantique. En fait, c'était une complicité entre nous deux. Et c'était super. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Nathalie et Olivier se sont enfin rapprochés. Ils ont pu retrouver leur complicité d'avant. Je suis heureux d'avoir pu donner une deuxième chance à leur couple. Pour terminer cette aventure au bootcamp, j'ai prévu une épreuve pour toute la famille. Je veux tester une dernière fois leur union. À l'intérieur de cette cage, il y a un parchemin qui est accroché juste là. Là, il y a une lettre, en haut. À l'intérieur de cette lettre, c'est un cadeau pour vous. Pour pouvoir mériter ce cadeau, il va falloir gagner les lettres manquantes pour reconstituer ce mot. Pour cela, il va y avoir des épreuves. Vous êtes trois, je suis tout seul. Vous choisirez celui qui fera l'épreuve contre moi. Si vous gagnez l'épreuve, vous remportez une lettre. Ce mot à reconstituer correspond précisément à votre famille. Il y a des épreuves de force, il y a des épreuves tactiques, il y a des épreuves d'agilité, de précision. Donc c'est à vous de mettre la bonne personne en face de moi. Je ne sais pas si vous êtes habitué, vous, dans votre famille, à avoir une espèce de cri de guerre. Mais si vous êtes motivé, montrez-le-moi. 1, 2, 3. Tous ensemble pour la famille. Allez, on y va, suivez-moi. Première épreuve. Première épreuve, l'épreuve du clou. Il y a un seul clou. Chacun son tour, nous allons taper une seule fois dans le clou. Le but, c'est de le faire disparaître comme cela. Celui qui met le dernier coup sur le clou et que le clou disparaît, a gagné. Qui veut faire cette épreuve contre moi ? C'est moi. Ok, Olivier, à vous l'honneur. Non! Mais il a perdu. De coup, perdu. Je me croyais au chantier. Donc, je garde la lettre. Non, en fait, j'ai tapé une fois, et après, je sais pas, j'ai tapé deux fois, je voulais qu'il rentre, quoi. C'est perdu. On passe à la seconde épreuve. Une lettre à récupérer s'appelle le jeu des bâtonnets. Le but, c'est qu'il reste un seul bâtonnet sur la planche. Celui qui retire le dernier bâtonnet a perdu. Ok ? Ça marche ? Qui veut jouer contre moi ? T'as quelque chose de facile, tu peux le faire. Donc vous pouvez retirer soit 1, 2, 3, maximum 4 bâtonnets en même temps. À vous l'honneur. Je vous laisse commencer. Vous auriez pu gagner presque. Ah oui. Presque, ouais. T'avais juste en enlevé 3. Exactement. Ouais, je sais. Vous avez perdu. C'est pas grave. Le truc de baguette, moi, je connaissais pas. Et c'est vrai que j'ai pas fait trop attention et j'ai pas bien joué, mais j'ai perdu. La lettre ne sera pas pour vous. Épreuve de force. On doit maintenir par cette ficelle. Bras tendu au-dessus de cette corde, le plus longtemps possible. Si le bras touche la corde, c'est perdu. Moi ? Toi ? Ouais, il est costaud. Encore une fois. Vous êtes prêts ? Alors on prend
Le poids, vous sentez comment c'est lourd? Quand même, hein. Prêt? Allez, c'est parti. Vas-y, chérie, vas-y. Ça commence à être lourd, là. Hein? Vous allez craquer. Avant non, moi. Craque pas, vas-y. Je pense pas. Quand j'ai fait le poids, parce qu'elle voulait me déconcentrer. Je suis resté concentré, quoi, quand même. J'ai essayé. Mais bon, le poids était lourd. Hein. Allez, ah. Allez, vous avez gagné. Ah, c'est super lourd, en fait. C'est vrai, c'est lourd. Prenez la lettre. Je sens plus mon bras. Gardez avec vous. D'accord. On passe à l'épreuve suivante. Venez. L'épreuve des pièces. Donc là, ça demande un maximum de délicatesse, de précision et de calme. Le but, c'est de mettre le maximum de pièces, enfin de mettre les pièces dans ce verre. Éviter que ça coule. Exactement. OK. Si jamais le verre se remplit d'eau, pour celui qui a mis la dernière pièce, a perdu. Qui veut se mesurer à moi? Vas-y. T'inquiète, j'ai déjà fait. Ah, enfin, la jeunesse. C'est la jeunesse qui va parler. Une fois. Ah, trigger. Allez. Toute ma famille. OK. Bien, à toi l'honneur. Ah ouais? Bah, j'y vais tout doucement, j'essaye de prendre... Au début, j'ai pris quelques pièces assez légères. Après, je commence à prendre des plus lourdes. Bravo, félicitations. Tu es chanceux. C'est bien, mon chéri. Je ne sais pas si ça va continuer. Vous avez deux lettres. Il en manque quelques-unes. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur d'autres épreuves. Ça vous va? Ok. Allez, suivez-moi. Là, nous sommes sur la dernière épreuve. Certains n'avaient plus le choix. Vous n'avez que deux lettres. Il faut absolument la gagner. Sur ce document, lorsque je vais le retourner, il y aura une forme. Il faudra reconstituer cette forme avec tous les objets, je dis bien tous les objets, que vous avez sur la table. Je vais être tout seul, face à vous, que le meilleur gagne. On doit former le carré. Ça vous va? Ça nous va. Parti au boulot. On est sérieux, là? Non. Toujours pas. Un carré, hein, pas un rectangle. Hein. En se mettant à trois, on a essayé de s'engueuler, sans rien, sans s'énerver, de faire le carré. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Vous en avez tout? Sérieux, vous avez fini? Ben non, moi, il manque, j'ai un trou, là. Ouais, et c'est au milieu. Alors? Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est pas possible. C'est bon. Si. Faut que je vérifie. Ça fait galère. Ouais, c'est la galère. Ça, c'est dur. C'est carré. Vous remportez la lettre qui est juste là. Vous la méritez. Bravo. Merci. Merci. Donc juste pour vous dire que vous voyez que lorsque vous communiquez, ça fonctionne. Et voilà, je vous félicite en tout cas. Nous allons voir si avec les trois lettres que vous avez trouvées, vous pouvez reconstituer le mot. J'espère que ça va fonctionner pour vous. D'accord? En tout cas, bravo. Pas mal. La famille plutôt forte. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Si vous n'avez pas le mot, c'est moi qui gagne. OK? On y va. OK. On a bien rigolé. Franchement, c'était super. Bien. Le fameux mot reconstitué est ici. Vous avez subi 5 épreuves. Vous en avez gagné 3. Je vous laisse découvrir les lettres que vous avez entre les mains. Normalement, il y a un petit scotch. Vous allez les coller. Et vous allez chercher le mot qui correspond à votre famille. Alors le H, on le placerait où à votre avis? Au début, à la fin, au milieu? Alors, est-ce que vous voulez que je vous donne un petit coup de main? Ouais. Ouais? Allez, je mettrai le H comme première lettre. Vous pouvez la coller. Plutôt là? Là, comme première lettre, voilà, ici. Ah, tu peux pas le mettre là? Par exemple, ça ferait A. Ensuite? Moi non plus. Coller. Et on va voir si ça peut... Peut-être, hein? Alors, ce serait quoi, dites-moi? Harmonie. Alors, mettez-vous en face de moi.
Harmonie. Est-ce que ça symbolise votre famille aujourd'hui? Est-ce qu'il manquait pas ce mot-là dans votre famille? Si. Vous puissiez de nouveau être unis. Alors, ça pourrait être ce mot-là, à votre avis? Ouais. Parce que je vais découvrir ça. Lorsque je vais soulever, il y aura le mot inscrit. Si c'est le bon... Si, c'est... C'est gagné. Est-ce que ce mot-là pourrait correspondre à ce que vous êtes aujourd'hui? Moi, je vois ça. Oui. Vous êtes prêts? Waouh! On a bien fait. Après, quand on a trouvé le mot harmonie, on s'est pris tous les trois ensemble et puis on s'est embrassés, on était contents. On était heureux. Ça m'a fait plaisir. J'étais en larmes, Kevin et mon mari. On s'est pris tous les trois, on s'est fait des bisous, des câlins, on était en larmes. On a pleuré. On était heureux. L'harmonie, c'est la complicité, l'amour envers nous. Alors, je vous écoute, vous me lisez ça à haute voix. Bon cadeau, une journée de bonheur pour toute la famille dans votre parc d'attraction préféré. C'est pas le p*** que tu voulais? Oui. Vous avez une journée là-bas avec toute votre famille, tout frais payé. C'est cadeau, c'est pour vous. J'espère que ça vous fait plaisir. Ouais, merci, c'est gentil. Ça vous fait plaisir vraiment? Ouais. Et c'est quelque chose voilà, qui est coûteux. Vous pouvez pas emmener toute votre famille là-bas. Eh bien, moi, je vous fais ce cadeau parce que vous le méritez, parce que vous avez retrouvé l'harmonie dans votre famille. Donc, emmenez les petits, emmenez la grande, emmenez tout le monde. C'est pour moi. Merci. De rien. Merci. Vous êtes content? Ouais. Ça se voit. Hein. Moi, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fourni comme effort. À partir de maintenant, je vous libère, je m'en vais, je quitte l'aventure. Donc, j'espère que vous n'oublierez pas de sitôt. Je vais vous laisser entre vous, vous allez savourer ce moment. D'accord? Prenez soin de vous, ok? Merci, mon grand. Et prends soin de toi. Ouais. Ok? Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour toute la famille. Bon, j'ai le droit ou pas? Merci à vous. C'était comme ça, d'accord, ne changez plus. Ne changez plus pour faire n'importe quoi. Ben, franchement, c'est vrai que je pouvais pas le voir au début. Mais franchement, je lui dis merci. Il fait très bien son travail. Et qu'il continue. Olivier. Merci à vous. Vous êtes un mec bien. Vous êtes un mec bien. Je voudrais remercier Pascal pour tout ce qu'il a fait. Je sais pas comment le remercier, mais... C'est super sympa. Je laisse rendez-vous autre, ok? Et je vous dis à dans quelques mois. J'espère pouvoir revenir vous voir et vous m'annoncer de bonnes nouvelles. Que lui, ça va, que votre fils, ça va, que tout roule. Et que vous avez passé une journée formidable. D'accord? C'est votre cadeau, vous le méritez. Je vous embrasse. Au revoir. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, ciao. Au revoir. Un mois après la fin du tournage, le quotidien reprend parfois le dessus. Entre Nathalie et son fils, quelques disputes éclatent encore, mais tous deux souhaitent continuer à faire des efforts. Olivier, quant à lui, est davantage présent à la maison. Et le couple tente de se ressouder. Nathalie passe son permis de conduire, ce qui lui permettra de trouver du travail. En attendant, elle assume pleinement son rôle de mère auprès de ses enfants.